Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir chez vous Elsa Fayer, Jean-Bernard Hébé, Sophie Garel, Christine Bravo, Stéphane Pocrin et Christophe Alévèque. Vous allez bien? Ouais. Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt encore? Quoi? Enfin, c'est un t-shirt gratuit. C'est marqué dessus. Free. Mais non, c'est un t-shirt gratuit. C'est qui ce jeune garçon? Mais vous le reconnaissez plus. C'est Stéphane Pocrin enfant? Mais non. Non, c'est Michael Jackson c'est Michael enfant. Jackson. Vous l'avez oublié. C'est Michael Jackson avant. Quand avant. Il était jaune, tu veux quand dire. Quand il était beau. Christine, vous avez l'air impatiente, là. Oui, parce que je voudrais rendre hommage à Christophe Alévèque, qui est quelqu'un, vous savez, qui est un peu bougon, on se demande s'il aime les gens. Et c'est un cœur tendre, c'est une personne authentiquement bonne et sympathique et une jolie personne. La preuve, cet été, on était donc au festival Juste pour rire, et j'ai été très malade, j'ai eu plus de 42 fièvres pendant 3 jours, et il m'a amené, pour me consoler, dans ma chambre d'hôtel, un petit cadeau que je vais vous montrer, mais pour que je vous le montre... Christophe, t'es mort. Allez, en honte. Putain, il flingue mon personnage, là. Viens voir, Sophie, viens voir. Il est tout rouge, il est tout rouge. Alors, regardez, c'est un chihuahua, comme il sait que j'aime beaucoup les chihuahuas, ça part quand même d'une très bonne attention. Et vous allez voir, viens ici toi, viens ici. Voilà, on va le faire comme ça. Il va pas pisser dessus. Tu vas me passer le micro, voilà. Alors regarde, parce que ça... Alors. Il se fait une petite bricole sur ma jambe. Attendez. Chut. Écoutez. Je fais comme les fées. Christophe. Un chihuahua qui jouit. Messieurs et mesdames. Christophe. Ah oui. Christophe, est-ce qu'on peut savoir quel était le message qui se cachait derrière ce cadeau? Message subliminal. Voilà. Non, mais c'est vrai que la pauvre était clouée au lit pendant 48 heures. Et bon, que donc, il s'est dit, je vais en profiter. Oh, on est arrivé dans la chambre, elle tenait à peine debout, elle disait pas un comme mot. Comme d'habitude. C'est le moment où... Nous, on lui a offert un cadeau, on était tellement contents, 3 jours tranquilles. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Tom Cruise, en vedette dans le magazine Première pour la sortie du film Collatéral. On savait, évidemment, on vous l'a répété, qu'il avait rencontré Nicolas Sarkozy cette semaine. Et manifestement, d'après les photos du magazine Première, regardez, depuis, il a croisé Jacques Chirac sur sa route. Je comprends pas. Bah si, les impacts de balles. Elles sont pas mal ces photos quand même. Hein. Ouais, il a le trou de balle au placé. Hein. Bah, il est petit. Bah, il est petit. Pas mal. Allez, il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. On reprend les traditions de la saison dernière et on commence par ces deux dessins de Lefred Touron dans Le Canard Enchaîné. Lefred Touron qui nous rappelle que la canicule n'a pas eu lieu cet été. Profitons d'un été pourri, on voit deux garçons sur la plage. Alors. L'un dit à l'autre, retourne-toi ou tu ne seras mouillé que d'un côté. Ouais, Christophe. C'est vrai, il a pas fait beau. Ah non, il a pas fait beau du tout. Bah, douce de blasier à la santé, le ciel se venge. Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire de canicule, bien que ce ne soit pas drôle, c'est qu'on en a tellement parlé l'année dernière en l'attendant que c'est que tout le monde s'est équipé avec des clims top niveau, des bromisateurs dans tous les coins. La prochaine canicule, normalement, va avoir lieu dans 15-20 ans. Tout le matériel va être naze. Bah d'ailleurs, regardez. Il y a quand même des gens qui sont malins. Le Fred Touron a fait un autre dessin, vous voyez. C'est une famille qui va voir le grand-père ou la grand-mère. Vous n'avez pas eu trop froid cet été, pépère? Oh non, de temps en temps, je mettais le brumisateur sur micro-ondes et je m'aspergeais d'eau chaude. C'est ça. D'autres dessins, le rendez-vous entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac a évidemment inspiré la presse cette semaine. Le Fred Touron, encore lui, décidément très bon dessinateur dans Le Canard Enchaîné, nous dit « L'entrevue a été courtoise, mais ferme. » Et on voit juste Chirac et Sarkozy, il y en a un qui fait « Oui », l'autre qui fait « Non ». Dans le même journal, sur Le Canard Enchaîné, Cabu, regardez, on voit Jacques Chirac faire un cauchemar. Il est en train de servir le morphal qu'est Nicolas Sarkozy. Il lui propose une tête de veau et Sarkozy lui répond « Non, moi, c'est tête de cochon ».
Tinius dans Marianne salue l'arrivée d'un nouveau préfet en Corse, un préfet qui était le patron du RAID. Il a été nommé en Corse et évidemment les Corses disent on est fait pour s'entendre, on a les mêmes goûts vestimentaires. Un dessin de Charb sur les élections présidentielles en Tchétchénie, un cas difficile aussi, présidentielle tchétchène. T'as voté quoi, toi ? Oh, moi, pareil que toi. Babouz, autre dessinateur dans l'Humanité, lui, s'est intéressé à la rentrée télévisuelle. On voit Lionel Jospin à la télé et un téléspectateur qui dit « Oh, encore des rediffusions !» Non, ce qui est drôle... Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est vraiment drôle dans ce dessin, c'est que le dessin soit passé dans le journal L'Humanité. Ça dit dans quelle estime les communistes tiennent Lionel Jospin. Oui, ça c'est sûr. On termine par un petit dessin de notre ami Philippe Gueluc dans VSD, regardez le chat, qui nous dit « Un homme d'affaires qui a des fenêtres à croisillons préfère voir décoller un avion que tomber la foudre. » Il est temps de parler musique dans cette émission. Quand même. On aura de toute façon à la fin de l'émission notre invité musical Jean-Louis Murat. Mais avant, chaque semaine dans cette émission, autant le dire, une nouvelle rubrique va petit à petit s'installer qui va réunir en duo Elsa Fayère et Jean-Bernard Hébé. Vous allez nous présenter les CD de la semaine, les nouveautés, pas forcément des nouveautés, en tout cas vos coups de cœur de la semaine. Ou nos coups de gueule. Je ne sais pas par qui on commence, peut-être par vous, Elsa. Honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. On va recommencer tout de suite avec la chanson sans conteste de l'été, le groupe Ozone, Dragosta Dintei. Tout le monde bien. Connaît. Tout le monde connaît dans le public. Ouais. Vous ne connaissez pas? Ah, vous m'avez fait peur, vous êtes réveillés. Vous avez 10 secondes, vous avez le droit à 10 secondes d'extrait. Pas de problème. Bon, d'abord, celle-là, on la connaît. Hein. Oui, bah ça, tout le monde la connaît. Je voulais juste revenir sur le succès d'été 2004. Donc, c'est le groupe Ozone avec leur album Disco Ozone. Numéro 1 en Espagne, numéro 1 en France, numéro 1 en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie, en Pologne, en Belgique, en Russie, en République tchèque. J'ai l'impression encore de revivre l'Eurovision. Non, mais c'est un arrêtez arrêtez Allez, je vais y retourner. Je vous propose de revivre encore un petit peu votre été, le sable chaud, la mer et surtout la chanson que vous avez tous écoutée en discothèque. Tout de suite, Dragosta Dintei du groupe Ozone. On en écoute 10 secondes. Allez, c'est les vacances encore un petit peu. On y va. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Même Massimo Gargia l'a rechanté. Je sais. Jean-Bernard. C'était ignoble. C'est du vomi. L'été était aussi pourri que la chanson. C'est... C'est du vomi pour les oreilles. Il faut confier la rubrique à quelqu'un d'autre, c'est une catastrophe. En plus, en train de danser dans quand on lit le début du truc, on dirait un mauvais... Enfin oui, évidemment, ça ne peut être que mauvais, mais on dirait un mauvais truc pour M6. L'histoire du groupe a commencé en République de Moldavie. En 2002, ils arrivent en Roumanie. Ils rencontrent Dan Popi, le directeur général de Media Service. On dirait un mauvais film avec un mauvais feuilleton. Ah bah c'est un mauvais film qui pour faire une mauvaise chanson. Alors je me défends parce que c'est quand même pas un million. Je m'en fous qu'il soit numéro un. Un million d'albums vendus. Le public n'a pas raison. Merde alors. Je suis désolée, le public a le droit de choisir sa musique et Ozone, ce fut la chanson de l'été sans conteste. Et mon cher Bernard Hébé, si ça ne vous plaît pas, vous avez qu'à changer de radio. Au revoir. À vous Jean-Bernard. Qu'est-ce que vous nous proposez? Évidemment. Tout nouvel album de Raled, je crois. Oui, enfin, moi, c'est pas moi qui l'ai choisi. On m'a dit, ce serait bien que tu parles de celui-là. Ouais. Je veux bien. Bah, pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Ah. Alors, bon, d'abord, c'est du Raled, mais c'est du bon Raled. Parce que parfois, il y a eu du Raled qui était moins bon que du Raled. Ça, c'est du bon. Enfin, c'est Raled, quoi. Ah, tu nous fais un petit couscous, quoi. Voilà. Vous faites un concours pour Quelle chronique. On peut en écouter un petit bout, on a pas On écoute les 10 secondes auxquelles on a droit. Ça, c'est sympa. Mais vous avez aimé ou pas, Jean-Bernard? Oui, j'aime bien, c'est bien. Voilà. Nouvel album de Raled, à vous, Elsa, vous nous proposez. Alors, juste, je voulais finir parce que c'est ignoble, madame. Ah si, je vous en dis, pour ceux qui ont adoré Dragosta Dintei, il y a deux versions remix, la version Cristal et la version Nectar sur cet album-là. Que je vous conseille. Je suis sûr qu'elle écoute ça chez elle avant de s'endormir. Mais bien entendu, et la version trou dans la couche, aussi. Bon, alors, j'ai le droit d'avoir un petit coup de gueule cette semaine. Allez-y, allez-y. Bon, alors, j'ai un petit coup de gueule cette semaine, c'est l'album de Eve Angeli, pas l'album, pardon, le single de Eve Angeli, qui est sorti dans les bacs.
Jean-Jacques, chanson, hein. Bien ouais. Sûr, le 30 août. Non, ça s'appelle Une chanson dans le cœur. Attendez. Evangélie, c'est celle qui était dans la ferme. La Castafiore des basses-cours sévit encore. Et après la ferme, la dame ne chôme pas puisqu'elle nous livre un tout dernier single. Alors vous savez, dans la ferme, elle chantait à tue-tête les grands classiques italiens du genre Perché lo fai, etc. Et là, elle a décidé de récidiver avec une reprise, mon cher Bernard. Jean-Bernard, vous devrez savoir de qui il s'agit. Albano. C'est un crime de lèse-majesté. Romina Power, ça vous dit quelque chose? Mais oui, c'était formidable, dans c'était les... extraordinaire. Elle le saccage, cette bécasse. Alors voilà, dans les années 80, en Italie. Alors là, vraiment. Dans les années 80, c'est Italie, pas gentil pour les bécasses. Elsa, continuez. En Italie, dans les années 80, il y avait un tube qui cartonnait. C'était Albano et Romina Power. Ça s'appelait Felicita. Et figurez-vous que Evangélie a volé pour l'Italie pour rencontrer l'équipe et tourner sa petite reprise de Felicita. Et vous aimez ou pas? En français. Alors je vous laisse écouter. J'ai pas besoin d'en rajouter. Allons-y. C'est l'amour avec toi, te savoir près de moi, la Felicita. C'est regarder devant, et y a les paroles. Devant, la Felicita. C'est la vie simplement dans les yeux des amants. Je trouve la que 10 secondes, Felicita. C'est bien. Oui, il faut pas que ça dure plus longtemps. Allez, un autre disque alors. Il y a un album très attendu dont toute la presse parle. Et Jean-Bernard, on avait envie d'avoir votre avis. C'est le nouvel album de Björk. Alors, j'ai écouté cet album de Björk. J'ai toujours un gros problème avec Björk. Ah. C'est que j'adore Björk et je déteste les gens qui adorent Björk. Oh. C'est insupportable. Les mecs qui aiment Björk sont insupportables. Mais elle, elle est géniale. Et là, je viens de faire un album quasiment tout a cappella avec des gens qui chantent en inuit. Donc langue de machin, elle fait ding 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 ding. Elle est à moitié torse nu, mais on voit pas tout. Elle est mariée à Matthew Barney, qui est un artiste extraordinaire. Elle s'est fait faire une coupe de cheveux de marteau. Il a fallu 3 jours. C'est après la marée noire. Voilà, c'est juste après la marée noire. Elle a 2 pingouins sur la tête. C'est absolument formidable. Je ne pense pas qu'elle va aller dans la ferme tout de suite. Je vous en propose 10 secondes. Bah moi, je fais partie de ceux qui ont du mal avec Björk. J'ai toujours l'impression que c'est mon chat qui s'est coincé la queue dans une porte. Franchement. En l'occurrence... Non, c'est expérimental, va-t-on dire. Ouais, mais c'est un génie. Allez, encore un. Ah ouais, Elsa, alors le dernier pour vous. Là, j'ai un vrai, vrai, vrai coup de cœur. Je suis partie à Miami cet été. Alors là, je vais tous vous convaincre. Je suis partie à Miami cet été et je suis tombée sur cet album. Il s'appelle Tiki, c'est un Californien. Il n'a pas du tout la tête de l'emploi. C'est pas lui qu'on voit sur la pochette. Non, c'est une jeune femme qui est peut-être... Ou alors, faut me le présenter tout de suite. Non. Pour vous le situer... Beaucoup le comparent à Jamiroquai. Moi, j'y ajouterai une voix à la Stevie Wonder. Ses influences, c'est de la soul, du hip-hop, du trip-hop, des Beastie Boys, en passant par Jimi Hendrix. Enfin, c'est un folklore de musique rassemblé dans cet album. Pour moi, c'est un des albums les plus matures et les plus aboutis que j'ai jamais entendu. Après Ozone. Après, ça n'a rien à voir. Où t'as appris tous ces mots? Ça n'a rien à voir. J'ai lu le dictionnaire hier et j'en ai avalé trop. Mature. Mais après mature, c'est quoi, pourri? Oui, exactement. C'est son premier album. Alors plutôt que premier vous... album, c'est pour premier ça qu'on album. Pas. Premier album, plutôt que de vous en dire trop, je vais vous proposer de découvrir son tout premier single. Attention, il a commencé très fort, il a décidé de reprendre la 5e symphonie de Beethoven. Oula. C'est pas le premier, dans les années 80, ça avait déjà été fait. Dans les années 90, le groupe A+ avec Express Yourself l'avait fait aussi. Mais là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il a tout compris. 10 secondes Tiki. De Tiki. Ça me dit quelque chose. Cette rubrique est géniale. Alors, pour ceux qui vraiment ont envie de connaître la suite... C'est formidable parce que... C'est le coitus interruptus permanent. Vous connaissiez Jean-Bernard? Ah, pas du tout.
J'ai jamais entendu parler, mais j'étais pas à Miami cet été. À Chamonix, ça fait pas un tube. Hein, ça. À Chamonix, il fait un carton aux États-Unis. Allez, un dernier CD, Elsa, avec Jean-Bernard. Alors, coup de cœur. Ah oui, c'est mon coup de cœur parce que c'est l'un des CD de l'année, mais pour moi, je vais dire que c'est le CD de l'année. Vous voyez, il est tout noir. Ah. C'est l'album noir de Jay-Z. Jay-Z, c'est un rappeur dont je suis fou, qui vit avec Beyoncé, dont je suis aussi un peu fou, surtout pour le physique. Et il a eu 4 nominations aux MTV Music Awards, avec notamment cette chanson qui est une reprise d'un vieux morceau de Hard de Mountain, qui s'appelle 99... J'oubliais. Tu lis sur le noir, toi. C'est une reprise d'un vieux morceau de Mountain qui s'appelle 99 Problems, c'est-à-dire que c'est du rap, mais avec derrière du hard. Tout l'album est formidable, ça c'est un extrait. Alors vas-y, comment tu danses dessus, Jean-Bernard? Mais moi je danse pas, j'ai jamais dansé. Qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai pas de sein. J'ai rien à vendre, moi. On applaudit Jean-Bernard et Elsa Taillère pour leur disque de la semaine. C'est la rentrée. Et chaque semaine, dans cette émission, Sophie Garel assurera désormais la rubrique littéraire. Eh oui, une promotion pour vous, Sophie. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Bye Bye Blondie, paru chez Bernard Grasset le 17 août dernier. Le nouveau et sixième roman de Virginie Despentes, l'auteur, entre autres, du sulfureux Baise-moi, mais aussi des Jolies Choses, adaptées au cinéma en 2001. Sophie Garel va nous parler de ce roman, Bye Bye Blondie, mais en présence de son auteur, que je vous demande d'accueillir maintenant, Virginie Despentes. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Sixième roman, déjà en librairie depuis un petit moment. Comment vous avez jugé l'accueil de la presse, des critiques et du public pour l'instant? Pour le moment, super bien. Super bien, ouais. Tout se passe bien? Tout se passe super bien. La promotion aussi? Impeccable. Tout impeccable bien, ouais. Bon, non, parce que vous redoutez un peu d'aller sur les plateaux télé quand même. Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, je suis assez timide, je suis pas très causante. Et puis, C'est impressionnant. C'est impressionnant, voilà. Bon, bah, c'est peut-être moins impressionnant de rencontrer... Oui. Ce n'est que moi. Une critique littéraire qui n'est pas une critique littéraire comme les autres, parce que, Sophie, vous lisez les livres comme une lectrice... Oui, bah, Madame Tout-le-Monde, je pense. Et effectivement, j'ai aucune référence littéraire et je me lance là-dedans avec émotion ou pas. Bon, je vais donner le pitch du bouquin. C'est l'histoire d'une fille, Gloria, qui traîne son mal-être, sa rogne, sa grogne, sa rage, sa révolte, son désespoir. C'est une petite qui est mal, qui est vraiment mal. Et elle retrouve, comme ça par hasard, dans Nancy, au volant d'une belle voiture, son amour de jeunesse, 20 ans après. Ce garçon est devenu un Jean-Luc Delarue, propre sur lui, le costume 3 pièces bien coupé. Et cet amour de jeunesse, on apprend donc qu'elle l'a rencontré 20 ans plus tôt dans un HP, hôpital psychiatrique. Ils se sont rencontrés, une grande osmose, grande fusion, grande passion à 15-16 ans. Et 20 ans après, eh ben, voilà qu'on remet le couvert. Et le garçon rame un peu, mais il en est très content. On imagine mal, si vous voulez, dans la vie... Pourquoi ça vous fait rire, ça? Là, c'est lui, il en est très content. Mais ouais, okay. Et il revivre cette grande passion 20 ans après. Alors, lui, il essaie de l'entraîner vers dans le beau monde, le monde de la télévision française, avec des gens distingués, raffinés, notre genre, quoi, qui s'habillent propre et tout. Et elle est révoltée, elle les envoie chier, toi t'es un con, fils de pute et tout. Et les mecs, ils rigolent, ils disent, oh, comme elle est originale, c'est un petit peu bon. Mon Dieu, comme c'est amusant. Et donc, à un moment donné, elle a une chance, cette fille. Cette fille qui n'aime rien. Elle n'aime pas la vie qu'elle a, elle n'aime pas la vie des autres, elle n'aime rien. Cette petite, elle a une chance, à un moment donné, d'écrire un scénario et tout ça, d'écrire sa vie. Et puis là, elle est spoliée, donc elle est d'autant plus assassinée par les choses de la vie parce que ça se passe mal. Et la fin, bon, la fin, c'est une porte ouverte, à vous de la trouver. Ah, racontez pas la fin. Ah non, mais la fin, c'est, on peut y mettre de l'espoir ou du désespoir, c'est à vous. Ce bouquin, moi, je l'ai attendu. Figurez-vous que Virginie Despentes, effectivement, le côté sulfureux, je me sentais un peu voyeuse. Je me disais, ma chérie, ménopausée et voyeuse, c'est pas excitant. Enfin. Et puis, je me suis dit, j'entre dans ce bouquin et effectivement, c'est tout le monde qui me fait peur, qui me fait mal. Moi, je suis plus dans la peau des parents qui ont peur de ces gosses qui parlent mal le français, qui sont désenchantés, qui sont désorientés, qui savent pas où ils vont. Ce livre est plein d'énergie. Il est drôle, il est souvent bien écrit. C'est un livre de santé, mais pas pour moi. Quand je suis sortie de ce bouquin, j'ai eu envie de prendre une douche, quand même. Il était temps. Vous pouvez répondre aux commentaires de Sophie. Vous êtes d'accord avec elle?
Je suis d'accord, je comprends quoi, de quoi elle parle. Ouais. Je suis pas d'accord, mais je comprends, voilà quoi. Est-ce que c'est un bouquin à mettre dans toutes les mains? Je ne sais pas qui va pouvoir lire ce livre. C'est effectivement, horrible, ça s'adresse, mais oui, ça s'adresse à des gens de cette génération, encore que cette génération, à 35 ans, on estime qu'ils sont un petit peu éloignés du shit, de l'acide et tout ça, qu'ils en sont sortis, parce que c'est un bouquin d'adolescents, et je ne pense pas que les adolescents aient envie de lire. Or, c'est un bouquin que... Les adolescents ont envie de lire, et puis des gens de 35 ans qui sont encore dans des situations dramatiques ou problématiques ou désespérées, il y en a plein, quoi. Donc, et puis, attends, mais voilà. On peut lire un livre même si on n'est pas dans cette situation. On peut, en plus, on peut ouais, lire ça, même si on est heureux. Est-ce qu'elle si... vous a donné envie de le lire, vous? Ah bah, évidemment. Bah, de toute façon, moi, je l'adore. Ah. Je voudrais vous demander un truc, vous. Alors, vous avez dit, j'ai arrêté de picoler, j'ai arrêté de me droguer, j'ai arrêté de fumer. Putain, ça fait beaucoup, quand même. Non, mais, attends. Et maintenant, elle veut votre secret. Bah, oui. Mais moi, attends, moi, je suis prête à arrêter un des trois. Non, je plaisante. Non, mais comment vous avez fait? Parce que moi, j'ai envie de savoir. Avant que ça me passe, c'était vraiment... Non, ça fait 4 ans maintenant. Et maintenant, je trouve ça formidable. Mais les 3 premières années, je trouvais ça vraiment... Ah, mais il faut enchaîner 3 ans? Ah, ouais. Oh, bah merde. Alors, j'arrête rien. C'est ça, c'est ce que vous avez envie de dire. Oui, je pense que c'était une excellente critique. Et puis en plus, elle l'a dit dans ses... en montrant un peu la dichotomie, quoi. Mais ça donnait envie de lire. Et par ailleurs, je suis content qu'on vous reçoive. Il y a, depuis peu, vous tenez un journal sur Internet. On appelle ça, les gens branchés appellent ça un blog. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, quand, comme vous, on est édité, on a l'habitude d'écrire des romans et tout, quelle est la particularité de l'écriture sur Internet pour vous par rapport au... à la fibre romanesque? C'est un rapport spécial parce qu'on l'écrit, c'est lu dans les 5 minutes par les gens. Donc c'est excitant en fait pour quelqu'un qui écrit, quelqu'un comme moi, hein, parce qu'il y a plein d'écrivains, je pense que ça les saoulerait. Et pour moi, c'est un champ d'espace, c'est un espace où je peux parler directement aux gens. Et c'est vrai que c'est important. Parce que si même après-demain, on m'invite plus, il y a quelque part où je peux dire exactement ce que je veux sans. Sans médium, quoi. Ça veut dire que là, demain, par exemple... Je dirais ce que j'en pense. Voilà, sur votre site internet, on pourra savoir, nous, ce que vous avez pensé de votre passage ici. Voilà. Ah ça, on va le lire. Alors, mais il faut faire quoi? Alors, il faut taper quoi? Dépendre sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche. Et ça oriente, quoi. Jean-Bernard? Alors, moi, je n'avais rien lu de Virginie Despentes. Et après tout ce qu'on vient de dire, je ne pense pas que je vais commencer demain matin. Ceci dit, j'ai vu le film. Ben, moi, alors, j'ai été très déçu parce que j'ai trouvé que ce n'était pas un très bon film pornographique, puisque c'est comme ça qu'il avait été requalifié par la censure, bien que je ne sois pas un grand expert dans les films pornographiques. On dit toujours ça. Ouais. En revanche, j'ai trouvé que c'était... C'est un mec qui vient de divorcer qui dit ça. Tu parles qu'on le croit. J'ai trouvé que c'était un mauvais Thelma et Louise misérabiliste français fait avec 3 bouts de ficelle. En fait, moi, je crois que ce pourquoi je n'ai pas envie de lire ce bouquin, c'est que vous décrivez un monde, d'abord, que j'ai beaucoup côtoyé, malgré les apparences, mais j'ai un passé. Si j'ai pas d'avenir, j'ai un grand passé. Ceci dit, je comprends parfaitement que pour vous, ce soit une espèce de thérapie, justement, comme vous venez de le dire, pour ne pas en tomber, y retomber, pour l'exorciser et tout ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous répondez-vous, JCA? Il y a deux choses qui... Premièrement, quand vous dites des gens comme ça, c'est une RMiste, elle est RMiste, désolée pour elle qu'elle est RMiste, elle n'a pas choisi. Ça fait 20 ans qu'elle est RMiste, qu'elle ne veut rien faire. Il y en a plein des comme ça, vous croyez qu'on va en faire quoi, les gens qui n'ont pas de travail? Mais elle ne veut rien faire, elle le dit, j'aime pas travailler, mais j'aime pas attendez, travailler. Pourquoi vous dites, on va en faire quoi? Si, commencez par dire... Personne, moi non plus, j'aime pas travailler. Personne. Mais nous non plus, on n'aime pas quand tu travailles. Oui, vous avez raison, c'est effectivement hélas. Mais non, en plus, on ne peut pas me dire ça. Vous ne bossez pas au SMIG. Vous voyez, que vous allez me parler de quoi? Vous iriez bosser au SMIG? Qu'est-ce que vous en savez rien? Bah, s'il avait fallu, vous en savez rien. S'il avait fallu que vous fassiez une vie pauvre, qu'est-ce que vous en savez? Comment est-ce que vous auriez été? Vous en savez rien. Enfin, j'ai commencé pauvre aussi. Ça vous a passé vite. Il y a des gens, ça ne leur passe pas. C'est des vies entières. Elle est RMiste. Elle y peut rien. Il en faut. Il y en a parce qu'il en faut. Christophe. C'est pas... Oui, moi non, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Bernard. D'abord, moi je réclame le droit de ne pas travailler si on a envie. voilà, et puis je suis désolé, il y a des gens qui sont RMistes et qui ne peuvent pas s'en sortir. Il faut arrêter, quoi. Moi qui adorais ce livre sur les rapports entre la CGT et le CNPF, là, baise-moi. A contrario de Jean-Bernard Hébé, j'ai vu le film que moi, j'ai adoré. Et c'est pas du tout une apologie de la décadence. Enfin, on y voit ce qu'on veut, évidemment, quand on est cochon comme lui. Par contre, je lis dans votre dossier, juste avant de partir en week-end. Merde!
une phrase qui m'a fait sauter au plafond. Vous aviez la rage. Vous étiez encore... Moi, j'aime bien les gens qui ont la rage. Voilà. Et maintenant, vous dites, j'ai moins la rage. Bon, admettons. D'ailleurs, maintenant, j'ai une carte bleue, du fric, et ça change tout. C'est quoi ce délire? Mais non, mais on vit dans un monde, on en parle sans arrêt ici aux actualités, on vit dans un monde d'intolérance, d'hypocrisie, de sécuritaire, de répression, de couloir de bus, de radar, de la liberté sous scellée, l'hypocrisie. Moi, c'est... ça me met en colère! Et, et c'est pas parce que quelqu'un va me tient une carte bleue. Oh, mais ça va mieux, dis donc. C'est ça. On peut pas. Et ceux qui ont, non, mais ceux qui ont deux cartes bleues, alors, ils sont dans le coma. Non, mais moi, ce que j'aime moi, j'en ai quatre de cartes bleues. Ce que j'aime bien, justement, quand on parle des bouquins de dépente, c'est que c'est... D'abord, on s'aperçoit, on parle de littérature. 10 minutes après, on parle de politique et tout, parce que c'est quand même des textes qui disent des choses sur notre époque. Et elle a raison de dire ça, c'est honnête. Parce que la différence entre quand t'as une carte bleue et quand t'en as pas, c'est que quand t'as une carte bleue, éventuellement, tu peux entretenir ta rage. Mais quand t'as pas de carte bleue, c'est la rage qui t'entretient. Merci, Stéphane. Bravo. Bravo. Alors là, moi, je dis monsieur. Vraiment, si tu veux, c'est un peu ce que je voulais dire, mais autrement, mais c'est bien de l'expliquer. Vous ne regrettez pas d'être venu, finalement? Non, je ne regrette pas d'être venu. Bon, on aura quelques bonnes lignes dans votre blog sur Internet. Là, vous verrez ça demain. Bon, on regardera demain. On ira sur notre moteur de recherche. Bye. Merci. Bye, Blondie. Virginie Despentes, c'est son 6e chez Grasset. Cette semaine est sorti A Bird on a Choir, le nouvel album de Jean-Louis Murat, dont il a signé les paroles de l'ensemble des titres. Sur ce disque, Jean-Louis Murat chante en duo avec Jennifer. Mais rassurons tout de suite les fans du chanteur, il ne s'agit pas de celle de la Starac, il s'agit de Jennifer Charles. Elle est américaine. Jean-Louis Murat va nous en dire un peu plus dans un instant. C'est un honneur que de le recevoir à la télévision. Il est assez rare sur les plateaux. Alors pour tester A Bird on a Choir, on va l'accueillir tout de suite. Mais attention, avant qu'il s'assoie ici à mes côtés, Jean-Louis Murat va devoir tout de suite répondre aux questions de notre journaliste, un des journalistes les plus sérieux du show business, Hugues Delatte. Voici Jean-Louis Murat. Je dérange, non? Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chanteur. Alors je vous aime, puisque vous êtes un révolté de tout. Vous êtes une sorte de Francis Lalanne, mais... C'est un bon résumé déjà. Oui, c'est bien, c'est flatteur, hein, ça va. Vous qui vous y connaissez en chanson, quel est votre tube préféré de cet été? Moi, par exemple, c'est Face à la mer. Face à la mer, calot, pas si, trop jeune pour mourir. Ah, c'est pas mal, hein. Et vous, c'est quoi? Pareil. C'est un bon choix. Pour calot? Vous avez bon goût. Hein. C'est vrai. On voit ça avec votre cravate. Je vous ai tout piqué. On voit ça avec votre pull aussi. Ouais. Vous êtes pas mal aussi. Ouais, je suis pas mal. Ouais. Mais au niveau du nœud, vous auriez pu faire un effort quand même. Je sais pas les faire. Ah, oui. Ah, par contre, là, je sais que vous faites vos confitures. Ça, je l'ai lu. Ouais. Alors bon, bah, je vous en ai apporté. C'est ma cousine Dolores Boudboul qui vous l'a fait pour vous. C'est de la super bonne confiture de Mirabelle. C'était cueilli de la semaine dernière. Ah ouais? Voilà. On va goûter. Puis elle m'a dit, surtout, si vous aimez pas, vous lui rendez, parce que faut pas gâcher. Non. Allez-y, goûte. Bon, je goûte. Bon, je voulais trinquer avec... Bon, goûtez pas, alors, tant pis. Non, goûte pas, non. J'ai l'air con avec ma cuillère, alors, comme ça, c'est... Mais non, tu peux pas avoir plus l'air con avec une cuillère. Excuse-moi. Tu te moques de moi, là? Non, pas du tout, non. Alors, Nolwenn Leroy a écrit sur le livre d'or du restaurant Le Terminus en novembre 2003. Merci, merci de l'accueil, c'était très bon. Vous en pensez quoi avec le recul? Alors, j'ai lu que vous en avez marre que toutes les chanteuses françaises aient la même voix que Liane Folie. Vous voulez quand même pas qu'elles aient la même voix que Jeanne Moreau?
quels échos comme voix. Est-ce que, bon, c'est bien, mais c'est pas un parce que moi, je pose des questions, mais au bout d'un moment, quand même, j'attends au moins une réponse. Quoi. Non, mais je comprends. Oui, alors vous êtes un jeune papa, félicitations. Ah, merci, ça, c'est important, ça, ouais, c'est quand même la base gentil. De la vie, ça, quand même. Merci beaucoup, voilà. Je vous remercie. Quand il sera grand, qu'est-ce qu'il pourra regarder à la télé? Plutôt Rue du Zoo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Tibère et la Maison Bleue, avec Trotteur, tout ces beau, mm-hmm. tout. C'est les bon. Marmottes aussi. Ou bien les histoires de Père Castor. Je vous ai apporté les paroles de Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Il y en a deux de suite, c'est pour ça. Alors après, bon, alors donc, après, c'est les questions quand même que se pose le Père Castor. C'est que sont devenus les diplodocus? Peut-on avoir un dragon chez soi? Peut-on avoir un dragon chez soi? Ouais. La marlaguette, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est les paroliers de Père Castor. Hein, c'est, je connais pas trop. Voilà. Après, quand reviendra gracieuse la mouette? Voilà, c'était... Non, c'était intéressant. Je vous la dédicace. C'est gentil, ouais. Ouais. Ça vous, c'est pour votre enfant, c'est pour qui? Bébert. Puis je vais lui mettre longue vie. Mais t'as un thé à Bébert. Ah, c'est un garçon? Merci, oui. Allez, on s'applaudit Raphaël Mesrahi et Jean-Louis Murat. Avec votre main d'attention. Bonsoir, monsieur Murat. Bonsoir. Nous recevons pour ce nouvel album. J'hésite à le prononcer parce que j'ai peur de... Au bord de ne poire, c'est comme ça que je dois dire. Bien sûr. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est une référence à un album de Leonard Cohen, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai lu ça dans la presse. C'est une erreur. Oui, mais vous avez tort. Hein. C'est vrai. Alors, les journaux continuent à écrire des conneries, alors. Bien sûr. Hein. Ça fait bien. Référence à Eric Satie, au petit morceau... Ah, voilà, oui, je vois là, que... Là, c'est mieux que Leonard Cohen, alors. Ils ont beau se comporter en crétin, ils n'en sont pas moins cultivés. Bravo, madame. J'en prie. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire déjà sur cet album, c'est que vous avez une chanteuse, mais aussi un compositeur qui a composé toutes les musiques de cet album, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler. On va citer d'ailleurs les deux personnes. Donc, il y a Jennifer Charles, qui est la chanteuse, mm-hmm. et le compositeur... Fred Jiménez. Voilà, avec qui vous travaillez déjà, qui est un bassiste au départ. Oui, c'est ça. Ah. Tu devrais poser les questions, puis faire les réponses, et les réponses. Alors, expliquez-nous qui sont ces deux personnes alors qui ont travaillé avec vous. Jennifer Charles. Fred Jiménez est un bassiste suisse. D'accord. Et Jennifer Charles est une chanteuse américaine de New York. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, j'ai lu dans la presse, par exemple, que Fred Jiménez, lui, il avait envie de sortir un album, mais que les maisons de disques l'ont plutôt jusqu'alors refusé, lui ont plutôt dit non, c'est pas possible, et c'est grâce à vous, finalement, que cet album se fait, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que lui, tout seul, il n'aurait pas réussi à sortir ses chansons. Exactement. Et c'est vous qui les chantez. Et voilà. Bon, ben voilà, bonne idée. Vous êtes parfait. Au ni oui ni non, t'aurais gagné. Bon, alors, et cette chanteuse, Jennifer Charles, vous nous la sortez d'où? Elle vient d'où? On la connaît pas, nous. Non, c'est une chanteuse new-yorkaise d'un groupe qui s'appelle Elysian Fields, voilà. Que connaissent les gens de goût, oui. Je crois, en gros. Et puis voilà, quoi, on s'est mis tous les trois. Fred a écrit les musiques, Jennifer chante avec moi, et on sort notre petit disque. Et il est plutôt bien accueilli, faut dire. Et il est plutôt bien accueilli parce qu'il est excellent, non? Il est bon, ce disque. Alors, écoutez, on va demander... Ce qui importe, elle est où la caméra? C'est que vous disiez que ce disque est excellent et que les gens doivent l'acheter. C'est pour ça, en fait. Ce disque est excellent et vous devez l'acheter, même si vous manquez de goût, comme vient de le dire Jean-Louis Murat. Salaud. Bon, mais ils l'ont écouté, ce disque, tous, ouais, là, dans d'accord. cette bande. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, je ne lui donne pas la parole tout de suite. Hein. On va commencer peut-être par Christine Bravo. Mais on se connaît aussi. Hein. Ah, vous connaissez aussi Christine bien Bravo sûr, hein. Alors allez, c'est Christine. On a eu des échanges poissonniers. Ça m'étonne de toi. Comment ça, des échanges poissonniers? Je l'ai traitée de marchande de poissons, elle m'a envoyé un kilo de poisson pourri. Bravo. C'est admirablement bien fait, bravo. Merci Jean-Louis. Ben alors, moi, alors j'allais vous dire, je vous adore, je vous aime énormément. Et alors, je ne savais pas que vous vous souveniez de cette histoire de poisson. Alors, je me suis dit, je vais vous faire un autre cadeau.
Et j'ai ramené du Mexique. La marchande de poissons, le retour. Voilà. Et non, mais alors, c'est un vrai poisson, c'est la loterie mexicaine. Et puis une petite crevette, voilà. Mais j'avais oublié. Et puis alors ça, c'est une petite poire. Mais vous allez voir, quand vous l'ouvrez, c'est un petit porte-bonheur mexicain. Oh, voilà. Je vous remercie. Alors, je donnerai ma petite fille. Une réconciliation, une. On se re-aime. Oui. Mais... Alors, hey, vous pouvez me donner votre chewing-gum, j'ai envie de le manger. Oh. Mais c'est dégueulasse. Hein. Alors Stéphane Pokra a écouté votre album. Oui, j'ai écouté l'album et en fait c'est un bel album. Je trouve que vous avez bien fait de le faire avec vos deux comparses. Ce qui est assez intéressant à l'écoute de cet album, c'est que finalement vous faites partie des rares personnes qui dans le paysage du disque arrivent à rester un peu une espèce d'ovni. C'est-à-dire que vous maîtrisez très bien votre personnage. On vient encore d'en voir une démonstration ici. Vous arrivez dans une émission d'Access Prime Time en sachant totalement que c'est fait pour déconner et tout. Donc vous en faites un peu. En même temps vous montrez la distance pour que les intellos de gauche quand même aiment bien le truc. Et bel album. Il est exactement comme ça, c'est-à-dire que c'est à la fois très personnel, de gauche, c'est à la fois ça, très, ouais. très honnête, très il sincère, très bien et on sent que ça va plaire à votre, ouais. on sent que ça va plaire à votre public. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez comme ça, voilà. Pas mal, ça vous va? Je n'ai pas que des intellectuels de gauche dans cette émission, j'ai Elsa Fayer. Ah. Je suis sotte. C'est une petite chariade entre nous, vous comprendrez plus tard. Elle a une jolie poitrine. Ah, ah. Ah, c'est le seul atout que vous m'octroyez aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Murat. Bah, c'est ce qui se voit le plus, c'est un bon en tout départ, cas. Je te le dis. Merci. Alors oui, j'aime bien Jean-Louis Murat. Et j'avais très très envie d'être à la place de la chanteuse Jennifer Charles lorsque j'ai lu dans la presse que vous aviez eu l'idée de la mettre sur votre album en pissant. Et j'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est des conneries encore de la provoque pour des journalistes, non? Pourquoi vous avez dit ça? Vous l'avez vraiment dit, ça? Non, mais alors, tu sais bien, on fait 10 interviews par jour, et alors, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est crédible, hein, les meilleures idées viennent en pissant, hein, en général. Hein. C'est vrai? Ben oui, hein, Raffarin doit avoir des problèmes de prostate depuis un an. Puisque vous avez pris la parole, Christophe, est-ce que vous avez écouté A Bird on a Poire? Oui. Je le montre, vous avez vu, je le montre. Ouais, très bien. J'ai écouté, mais moi j'aime beaucoup Jean-Louis Murat, le personnage, hein, surtout. Qui rit à chaque fois qu'il lui tombe un œil. Un peu comme toi, t'as remarqué. Mais oui, mais c'est pas ça. J'ai l'impression d'un effet miroir, comme ça, avec une sorte de cravate pourrie, comme ça. Normalement, t'es habillé beaucoup moins bien, je suis un peu déçu. Eh bien, j'ai beaucoup aimé l'album que j'ai écouté. Heureusement, je l'ai écouté chez moi, parce que sur l'album, il y a cette chanteuse qui a une voix, les amis, d'une sensualité. Mais incroyable. C'est vrai? Ah oui, t'écoutes ça dans la rue avec un casque, tu sautes sur tout ce qui bouge. Sophie, vous l'avez écouté, vous aussi? Alors, j'ai pas tout compris. J'avais déjà écouté Murat avec des intellos. Je faisais semblant de comprendre, moi. Toujours branché sur Dana Mouskouri, je faisais un petit effort. Et alors, j'ai écouté vraiment sérieusement. Tu es prise en otage. Parce que, vraiment, les paroles, il arrive à faire, comme Molière, de la poésie avec de la prose. Ce qui est assez rare. Et voilà, je voudrais savoir, maintenant, comment vous pouvez vous permettre de dire une chanson de 3 minutes va souvent plus loin qu'un bouquin de 400 pages, et en même temps revendiquer le fait que vous êtes un écrivain, et vouloir écrire et lâcher un jour la chanson si ça marche. C'est un petit peu antinomique. Vous voulez écrire, c'est ça votre but? Bah j'écris, ouais. Oui, mais enfin d'écrire un bouquin, vous le dites, vous le clamez. J'ai dit ça, moi. Oui. Bah non, alors écoutez, vraiment, toute la presse, voilà ce qu'on en fait. Hein, parce que je suis pas à confesse quand je suis avec les journalistes. J'improvise et je dis à peu près n'importe quoi. Comme par exemple, comme elle dit la semaine dernière, on l'a lu, Zizou était un Judas, Zinedine Zidane. Ah oui, non, c'est vrai qu'avant le Portugal, j'avais écrit un papier pour un magazine de foot hein, où je disais Zidane est nul. C'est vrai que ça s'est confirmé. Mais si vous voulez, c'est aussi beaucoup, personne n'est dupe de ça, c'est aussi pour faire un peu de mousse, quoi. Bien sûr, c'est un peu de provoque, quoi, évidemment. Christine. Non, la seule chose vraie, c'est que vous m'avez traité de poissonnière. Alors tout le reste, c'est pas vrai. Alors, c'est terrible. Alors elle est restée là-dessus. C'est horrible. Allez, il est temps de donner la parole à Jean-Bernard Hébé. Je sais qu'il y a un lourd passé entre vous. Jean-Bernard, je peux lui donner la parole quand même à Jean-Bernard? Si, oui, allez-y. Jean-Bernard, c'est à vous. Ah non, le passé, effectivement, est lourd et lointain, puisqu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Et nous avons eu quelques différends. Mais je dois dire que j'ai toujours été un immense fan de Murat à ses tout débuts.
Je veux dire qu'évidemment, si j'ai produit son premier album, c'est parce que je trouvais que c'était un auteur, compositeur, interprète absolument extraordinaire. Mais dès le premier album, il s'est avéré que lui ne voulait pas faire l'album que tout le monde attendait. Et qu'il s'enfonçait à sa façon, dans son truc, et que moi, plus ça allait, plus je le voyais dériver. Et l'autre jour, quand vous me dites, il y a Murat qui vient à l'émission, « Ah, t'aurais intérêt à écouter l'album de Murat ?» Et j'ai dit, pour preuve de ma bonne foi, « Bah oui, je trouve que c'est vachement bien, c'est enfin l'album qu'il aurait dû faire depuis 30 ans. » Et, alors évidemment, je peux pas m'empêcher de dire une petite vacherie, c'est l'album que je rêvais qu'il fasse parce que c'est pas lui qui a fait la musique. Bon, mais à part ça, c'est tout. C'est tout. Mais non, c'est une petite. J'ai dit. Moi aujourd'hui, je le paierai pas. Hein. Mais je suis obligé. C'est l'émission qui veut ça. Mais il s'est réveillé brusquement sur ces musiques qui sont machin, les orchestrations qui sont formidables, la voix de la jeune fille. Pour moi, tout le monde s'extasie là-dessus. C'est pas mal. Enfin, il n'y a pas non plus de quoi avoir des érections dans la rue, comme il dit. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu la photo. Enfin, monsieur est délicat sur ses érections. Voilà. Mais c'est carrément comme une bénédiction papale. Il ne les donne pas à n'importe quel. Comment? Mais bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, à son âge, il les économise. Exactement. Je vous remercie. Donc, pour finir. Bravo, reviens et ne nous refais pas les trucs ennuyeux. Maintenant, il y a la relève. Il y a de l'air, mais tous les ennuyeux, ça y est, ils sont là. Laisse-les tranquilles. Toi, fais ce que tu fais. Bravo, bravo. Alors, dites un mot à Jean-Bernard Hébé, quand même. Non, la première personne qui m'a repéré et qui m'a donné ma chance, c'est effectivement ce monsieur. Avec mes sous. Avec ses sous. Ah, je comprends. Mais oui, c'est vous dire. Restez encore quelques minutes avec nous. Puisque vous l'avez remarqué, notre but, c'est de repérer les conneries que disent les people, les personnalités dans la presse. Nous, on les collecte, ces conneries-là. Ça s'appelle le « Qui a déconné ?» Je vais vous donner quelques fiches. Vous allez voter comme mes petits camarades. Il s'agit d'accorder des points, 0, 10, 20 ou 30 points. Je vais vous donner un marqueur à ceux qui ont dit ou fait des conneries. Le premier qui rentre aujourd'hui dans notre Qui a déconné, c'est Arnold Schwarzenegger, parce qu'il était à New York cette semaine pour défendre George Bush à la Convention républicaine. Et il a dit, Schwarzy, il ne faut pas faire de l'économie comme des gonzesses. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que c'est une connerie? Nous, on ferait bien l'économie de Schwarzenegger, vous me direz, mais est-ce que vous pensez que c'est une connerie? Oui. 30 points, oui. Elsa, Stéphane? Oui, énorme connerie. Bah, déjà, venant de Schwarzenegger, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Alors ça, c'est à la fois économiquement idiot et puis hyper antiféministe. Grosse connerie. D'accord avec Stéphane. Parfait, 30 points, Jean-Bernard. Eh bien, pas du tout. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous étions faits pour nous entendre. Oui. Les chiens font pas des chats. Christine? 30, alors rien à voir avec les gonzesses ni l'économie, mais un Américain qui défend un Américain, comme je peux pas les saquer, c'est trop pour moi. Christophe? Oui, bonsoir. Alors? Oui, c'est terrible ce qu'il dit. Moi j'ai envie de baiser en ce moment, d'accord? Non, alors 150 points donc pour Schwarzenegger. C'est pas bien. Je vous propose l'entrée dans notre Qui a déconné de Noël Mamère pour avoir déclaré à propos de Cesare Battisti, vous savez, cet ex-extrémiste italien. Enfin, que l'Italie nous réclame, qui s'était réfugié chez nous, qui était en paix chez nous, il était devenu écrivain, et puis là, d'un seul coup, la France a décidé de le rendre à l'Italie, il s'est enfui, on le recherche. Eh bien, monsieur Mamère a dit, nous sommes prêts à désobéir, et si Battisti frappe à ma porte, je lui ouvre et le laisse s'installer. Pourquoi je pense, moi, que c'est une connerie? Parce que si quand Battisti frappe à la porte de Noël Mamère, monsieur Mamère est aussi discret que quand il organise des mariages gays, l'autre va se faire repérer tout de suite. Alors, 0, 10, 20 ou 30 points, allons-y. 30 points. Ouais, pourquoi? Il y en a marre de jouer au Saint-Bernard, je suis persuadée qu'il n'est pas aussi gentil qu'il le laisse croire. Alors, Stéphane Pocra,
C'est un copain, hein, Pochera. Ouais, il cherche un job. Tu cherches un job. Je veux dire pour... revenir chez les Verts, Pochera. Je vais dire pourquoi. Un, effectivement, c'est un copain, mais j'ai beaucoup de copains qui disent des conneries. Il y a Carrigadeur autour de cette table. Donc, c'est pas un argument. Mais deuxièmement, parce que je pense que l'État français a donné sa parole et que Battisti est dans une situation très particulière. Donc, je pense que Battisti doit se rendre, qu'il doit revenir. Sophie ? Je préfère les Saint-Bernard au Pitbull, donc je fais zéro aussi. Parfait, Jean-Bernard. Alors moi, évidemment, une fois de plus, Noël, ma mère qui avait tout pour être sympathique, se conduit comme un... pas comme un grand leader d'un parti politique. Mais je voudrais aussi revenir sur ce qu'on dit tout le temps quand on parle de Cesare Battisti. On dit, oui, un extrémiste. Non, un assassin. Faut pas oublier qu'il a tué des gens. Et qu'on aille s'adresser à la famille. Il a été condamné. Non, il a été condamné, mais il n'a pas été. Il a été condamné sans être jugé. Mais il s'est pas rendu au jugement. Il s'est pas rendu au jugement. Mais si à l'époque il s'était rendu au jugement, il aurait été condamné. Christine. Eh ben moi, j'étais d'accord, j'avais mis 30, mais comme vous avez dit qu'il était en fuite, eh ben je mets zéro parce que je l'ai pépé. Très bon, très très bon. Pourquoi? Zéro. Ben moi, je me suis déjà expliqué dans l'émission. De toute façon, vous lui ouvrez aussi moi, je lui ouvre la porte. D'abord, n'importe qui frappe à ma porte. C'est son côté Henri Comatias. J'ouvre ma porte. Laetitia Casta frappe à ma porte. Je lui ouvre la porte. Je lui laisse même pas le temps de s'installer. Jean-Louis Murat, zéro aussi. Vous lui ouvrez votre porte à Cesare Battisti. Ouais. Bon, très bien. Ça fait un total pour Noël Mamère. Alors, c'est pas une grosse connerie. Alors, finalement, 60 points. Je vous propose l'entrée dans le... Qui a déconné de Jennifer, la chanteuse de la Starac. Pourquoi? Elle a voulu poser nue à la une du journal Max avec un boa, mais un vrai boa, pas un boa en plume, un serpent, un vrai boa autour du cou, et elle a failli mourir étranglée, étouffée par le boa. Alors bon, d'abord, ils sont un peu cons au journal Max, ils devraient organiser ce genre de séance photo dès qu'ils rentrent dans la Starac, pas quand ils en sortent. Mais ça vaut 0, 10, 20 ou 30 points, cette connerie. Ça vaut 0, la pauvre, elle y est pour rien. Elle a failli mourir. Ouais, Stéphane Pochrin. Ouais, c'est une connerie à 10 points. Une connerie à 10 points. Moi, c'est 30 pour Jennifer, mais 0 pour le boa. Jean-Bernard. Non, oui, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'aller poser toute nue pour vendre un disque. Et si, en plus, elle n'avait pas enregistré son disque avec le boa autour du cou, elle aurait peut-être mieux chanté. Christine. Moi, je mets 30 parce que je l'aurais pas mis à cet endroit-là, le boa, moi. Christophe Alévèque. Voilà. Pourquoi 30? Aucune idée. 0 pour Jennifer. On ne sait pas pourquoi vous en foutez. Ouais. Mais c'est 0. 0, comme ça. 130 points donc pour Jennifer. Dernier qui a déconné de la semaine, le ministre de l'Éducation nationale, M. François Fillon, qui dit qu'il faut encourager la lecture, refaire des dictées, des récitations au collège. Alors pourquoi je pense que c'est une connerie? C'est pas une connerie en soi, mais c'est que c'est pas très nouveau. Ça fait des années qu'on nous dit ça, et en plus, c'est pas sympa de vouloir piquer la place de Bernard Pivot de France 2. 0, 10, 20 ou 30 points. 0, parce que c'est très important de savoir écrire correctement l'orthographe. C'est très important. Oui, on le voit quand on voit comment vous faites votre 0. Quoi? Je le fais super bien, je suis une grande dessinatrice. Heureusement que tu le fais en chiffres, sinon il y aurait 3 fautes. Ma nouvelle erreur, c'est de faire cette émission avec toi, mon cher Alévèque. T'as de la chance d'avoir des gros nichons, hein. Moi, j'ai mis 20... Non, mais moi, j'ai mis 20 points. C'est vachement dur de noter, parce que à la fois, c'est une connerie, les enseignants le font déjà, mais bon, le pauvre, il fait ce qu'il peut, quoi. Bon, 20 points, Sophie. 0. La purée, c'est important de parler français, moi. C'est pas moi qui vais vous le dire, hein. D'accord avec lui, Jean-Bernard Hébé. Moi, je l'ai mis 0,30% parce que je suis très partagé. Bon, alors 0, ouais, je prends 0. Christine. Moi, j'ai mis 0 parce que lui, il a mis 0, je sais pas pourquoi. C'est mon copain. Ah bah, moi, j'avais mis 0 parce que t'avais mis 0. Comme à l'école. Non, mais. 0 aussi. Ouais. Mais non, mais. Vous avez. Ça tombe sous le sens. Vous êtes père de famille, vous êtes d'accord? Non, mais là. Franchement, moi, c'est à toi que je mets 30. Pourquoi? Mais pourquoi t'as choisi ça? Parce que je trouve qu'on entend ça tous les ans. C'est... Je peux te dire que quand t'as des gamins, il vaut mieux entendre ça tous les ans. Hein. Oh, ah, c'est une catastrophe. Bon, d'accord. Bah, oui, ça fait un total très maigre pour François Fillon, mais c'est vous qui votez. 20 points, ça veut dire que c'est pas une Le score connerie. De l'UMP aux prochaines élections. Si tout va bien. Si tout va bien. Vous voulez le classement de la semaine? En tête reste Nicolas Sarkozy avec 230 points. En 2, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec 190 points. En 3, Evelyne Thomas, égalité avec le patron des patrons Ernest Antoine Seillère, 140 points. Suite du kick à déconner lundi. Merci Jean-Louis Murat. Bye bye.